Salut à toutes et à toutes, c'est pas les fans pour l'épisode numéro 15 des Sims 3. Je venais d'aller me coucher après avoir rembarré une star qui était venue devant chez moi, je ne sais pas trop pourquoi. Et oh, j'ai une amie, une grosse blague qui s'appelle Marie Boulanger. Grosse blague n'est pas raciste, je précise. C'est juste un fait à prouver, elle est grosse et elle est blague, donc c'est une grosse blague. Et c'est une sous-chef. Moi je suis quoi? Un goûteur. Merde, j'ai niveau en dessous. Je me fais engueuler, vous savez. Tu m'as dit que c'est quoi ce black? Attends, tu m'as spiné chez moi? C'est quoi ton délire? Maliko, vas-tu mais tu te réveiller? Oui. Oh, et tu bosses aujourd'hui, Maliko, te préparer? Oh, et puis je vais me réveiller parce qu'il faut que je te parle. Maliko. Parce qu'en fait, il te faut du social. Amical. Je vais être bienveillant. Non mais je pourrais pas me réveiller, non mais. Vas-y, je suis une fainéasse en fait. Faut que je te remonte ton truc social. Putain, c'est long. Bon attendez, on va faire un truc mieux. Fais une grimace, fais-moi une grimace. Blablabla. Non, on va pas dormir, non, c'est pas le moment. Partagez un secret. Fais un signe de paix. Voilà, c'est bon. Vas-y, viens. Maintenant, vite, va manger un truc. Va manger des pancakes. Ils sont encore bons, je sais. Non, on n'a pas le temps. Faut qu'elle mange et qu'elle aille se doucher. Elle sera en retard au boulot. Merde, il y a quelqu'un qui l'appelle. Non, foutez-lui la paix. Elle est en retard au boulot. C'est bon, t'es assez douché. Fuck. C'est bon, vas-y grouille. Bon, et moi, va vraiment falloir que je m'occupe de la maison aujourd'hui. Alors. Ok, ça, je nettoie. Ça, je nettoie. Je jette la nourriture périmée. Je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer les toilettes. Ouais, elle a rendu ça dans son truc, donc elle a eu un peu, un tout petit peu de compétences, hein, putain. Elle va travailler dur. Non, travailler dur, j'ai dit. Parce qu'il nous faut de l'argent. Et après, faudra que je paye les factures, faut pas que j'oublie. Yep. Et après, je vais pouvoir manger mon petit-déj, enfin, j'ai envie de dire. Alors, et que j'améliore ma compétence cuisine. Et j'aurai pas assez de tout pour m'acheter un nouveau livre, donc je vais préparer plein de macaronis au fromage. Il va falloir que je nettoie ça. Pendant que ça, ce sera au four. Voilà, là c'est sur le feu, je nettoie ça. Bon, j'ai fait cramer, mais je m'en fous, je gagne quand même des points. Alors, pas de carbone à frime. Oh, quoi? Non, c'est déjà l'heure du boulot, putain, c'est le bordel, allô? Non mais, Marie, on travaille au même boulot. Alors là, quand tu vois que c'est l'heure d'aller au boulot, tu fermes ta gueule et tu me laisses y aller. Medico, elle rentre du boulot, elle a même pas rapporté de trucs. Enfin beaucoup d'argent, ni de promotion, et en plus elle est stressée. Bon Maliko, tu sais quoi? Je vais te faire un cadeau. Donc Maliko, si tu regardes cet épisode, je vais te faire un cadeau. Et tu vas aller au spa. Et je t'autorise à te prendre un soin qui coûte cher. Un soin du corps. Bon, en fait, on n'a pas assez d'argent. Un soin du visage à la bouillasse. Et tu vas te faire bouillasser la tronche. Mais ce sera très agréable, tu verras. Vas-y, va te faire bouillasser la tronche. Regardez, ça lui allège vachement son truc. Ça, contre le surménage et tout, c'est vraiment parfait, le spa. Bon, sauf que tu gardes ton truc de surménage, mais bon. Moi, je vais m'entraîner à cuisiner parce que j'ai besoin de points. Voilà. Oh, petit jeu. Oh, petit jeu. Oh, bah, ouch. Je viens de foutre un punch à mon casque. Non. Pourquoi? Et tu vas rentrer. Parce que tu vas pouvoir t'entraîner à l'écriture avant d'aller dormir. Ouais, et après avoir regardé la télé. Et après avoir mangé un truc. Tiens, tu vas manger les macaronis grillés. Voilà. Moi, ce sera pas gaspillé. Tu regardes la télé pour ton amusement et après tu t'entraîneras. Hop. Pendant ce temps-là, moi je me sens genre super mal.
J'ai genre trop besoin d'une douche, etc. J'ai une humeur de merde, mais... Promotion. Je suis chef de partie. Oh, j'ai gagné de l'argent. Ça, c'est une bonne chose. Il a été crevé. Tu vas pouvoir aller dormir. Et ne t'inquiète pas, moi aussi, je suis crevé. Je prends une douche. Et je rêve ou quand ça m'a changé ma coiffure? Ah non, non, c'est bon, j'ai toujours la même coiffure. Bon, évitez de me regarder dans ma douche, s'il vous plaît. Pour goûter votre formidable cuisine. Non, mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit que je devrais peut-être prendre les opportunités, mais... Bon, je vais manger ces restes de macaroni au fromage. Elle en avait pas laissé beaucoup, hein. Franchement, pour 3-4 pâtes, elle aurait pu les finir. Donc voilà. C'est un peu la misère en ce moment, j'ai du mal à gérer les besoins de mes Sims, mais bon. Mais bon. Est-ce que je peux m'acheter un sèche-linge? Oui, ça c'est bien. J'ai jamais capté qu'il était mal calé mon truc. Alors là. Depuis le temps que je voulais m'acheter un sèche-linge, je suis pas mécontent. Juste le personnaliser entièrement. Non. Voilà. Yes, on a un sèche-linge. Bon. Ça y est, ça commence, on commence à gagner plus d'argent, on va pouvoir plus améliorer nos besoins, etc. C'est une très bonne chose. Maliko devrait pas tarder à se réveiller, surtout qu'elle bosse aujourd'hui. D'ailleurs, pour qu'elle soit en forme, elle va se réveiller à 4h du matin. Normalement, en vrai, quand tu te réveilles à 4h du matin, t'es pas du tout en forme, hein, mais... Voilà, comme ça va lui permettre de tout faire dès le matin, comme se doucher, etc. Oula, désolé, un petit bug chelou. Ça arrive un coup de temps en temps dans les Sims. Voilà. Excusez-moi. À mes souhaits. Lol. Bon, je le réparerai. Bon, elle va juste regarder un peu la télé avant. Non, mais pourquoi tu ranges ça là? Attendez, attendez, elle regarde un peu la télé. C'est bon, allez, va au boulot, fonce. Peut-être une promotion aujourd'hui. Bon, j'ai enfin me lever et constater que c'est le bordel dans la maison, lol. Bon, ok, faut vraiment que je m'occupe de la maison aujourd'hui parce que là... On s'en fout du Simfest. Foutez-nous la paix. Oh, Ok, bon, je mange. Ok, bon, ça va déjà mieux. J'ai mal dormi, c'est génial. Hop. Yop. Yop. C'était la nourriture périmée. Préparé. Hop, yop. Bon, ça va, j'arrive à m'en sortir. J'aurais pas le temps de m'occuper de mon jardin, mais tant pis, j'y vais. Non. Non, non. Pourquoi je suis trempé? Ah, elle vient de sortir du boulot. Promotion. Bon, c'est cool. Je serai en retard au boulot, mais il faut absolument que je m'occupe de mon jardin, sinon tout va périr.
Bon, Maliko, pendant ce temps, comment tu te sens? Pas super. De toute façon, on va changer de lit pour des lits qui rapportent plus. Plus, un petit peu plus, un peu plus. Parce que vois-tu, ces lits-là, ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Pop, 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 pop. On va prendre des lits comme ça. Oh, ils coûtent cher. Lits rapportent énergie 6, énergie 8. Énergie 5, énergie 5. Bon, bah on achètera ça quand on aura plus d'argent. Nous, notre lit fait combien? Énergie 4 seulement. Ouais, ok, je vois. Quand j'aurai fini, il faudra que je retourne, que j'aille au boulot et que je travaille dur. Parce que là, c'est la misère. Bon, Maya, je te laisse aller dormir. En plus, je pue. Non, mais en fait, ça va, j'irai pas au boulot aujourd'hui. Voilà, merde. Ou j'irai après ma douche. Bon, je vais y aller, je vais genre aller au boulot 5 minutes, ça va être génial. Histoire de gagner un tout petit peu de thunes. Ça va jusqu'à 20h30 normalement, bon je vais y aller pour une demi-heure. Désolé, j'ai des problèmes chez moi, je devais m'occuper de mon potager, lol. Oh, j'ai des trucs à vendre. Ça va pas me rapporter beaucoup. Autant les replanter pour en gagner une nouvelle, non? De meilleure qualité. Bon, j'ai gagné 49 simflouzes, hein. On va dire que c'est mieux que rien. Et ça fait 12 minutes que je tourne, j'ai même pas vu. Donc, je vous laisse pour cet épisode, je vous retrouve donc dans l'épisode prochain. Que ce soit du Amnesia, du Sims, du Happy Wheels, du Cleverbot, ou je ne sais quoi d'autre, ou du face-à-face avec Balgephone. Ce sera ça l'épisode prochain normalement. Parce que là, je vais aller le tourner. Donc, on se retrouve dans l'épisode prochain. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé cet épisode, ou encore un commentaire, ou alors à vous abonner si vous aimez aussi d'autres vidéos, ou pour ajouter ces vidéos à vos favoris. Je dis ça super rapidement. Et voilà, bye bye, waouh.